Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Devinez ce qui se passe? Petite vidéo unboxing aujourd'hui. Pourquoi je dis petite? Parce que j'ai seulement 5 toiles. C'était une petite commande sur Everyday A Deal. J'avais 3 autres petites choses avec, sauf que je les garde en surprise. Je les ai serrées, je ne veux pas vous les montrer. Parce qu'il faut bien que je me garde des petites surprises parfois. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire le unboxing des 5 toiles que j'ai. Il y a 4 Diamond Painting et puis il y a autre chose que je vais garder pour la fin. Donc, mes 4 toiles, là, je vais réorienter la caméra là, sur ma tablette lumineuse. La question que vous voyez mieux, là, les 4 toiles que je vais vous présenter. Et puis, là, la cinquième aussi, là, j'ai hâte de vous montrer ça. Là, une petite nouveauté pour moi, là, ça va être une première dans mon cas. Donc, on va voir si ça passe ou si ça casse. On verra ça prochainement. Est-ce que je vais être capable ou pas? Est-ce que je vais pogner les nerfs ou pas? Est-ce que je vais sacrer ça par la fenêtre ou pas? On verra. Donc, ça y est, je m'installe et tout. Là, c'est parti, mon kiki. Je vous montre mes nouvelles toiles. Bon, je vais y aller avec la première. Je vais prendre mes ciseaux. Ça va aller mieux. Je vais les ouvrir pas tout de suite, ça va être fait. Le bout. J'ai sauvé un petit peu de temps. Bon, celle-là, il y a juste un petit peu là. La dernière ici. Parfait. Bon. Donc, je vais me prendre un crayon pour inscrire dessus quelle va être mes toiles. La première. Un roulement de tambour. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, voici ma superbe toile. c'est une jeune fille, là. Dans le fond, là, c'est ça. J'ai vraiment, là, les 4 toiles se ressemblent un petit peu. C'est dans le même style. J'ai adoré ces nouvelles images-là sur Everyday A Deal. Et puis, parce que c'est vrai, je ne vous ai pas dit, dans le fond, ben, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est un unboxing de Everyday A Deal. Et puis, c'est ça, j'ai vraiment adoré cette toile-là, là, et puis d'autres semblables. Excusez-moi, j'en perds la voix. Lorsque je les ai vus, je les ai trouvés vraiment, vraiment adorables. Donc, je me suis dit tout de suite, oh mon Dieu, mais c'est tellement mon genre, je veux les faire. Donc, oh, si c'est le fun, regardez-moi ça. C'est tout dans des petits sachets zippés. C'est la première fois que j'ai du Everyday A Deal avec tous des petits sachets refermables comme ça. Donc, wow, sérieux, chapeau, il s'améliore. C'est sûr que là, avec toutes les autres compagnies et tout autour qui font des choses un petit peu plus ça accroche, je suis contente, c'est moins cheap. En tout cas, celle-là, je vais voir les autres. Là. Puis j'ai mes numéros aussi de DMC, donc c'est merveilleux. Je vous dirais 5 étoiles pour cette toile-là. Je regarde ça, là, et puis j'avais peur qu'on ne voit pas assez les détails. Ça va être super. On va vraiment bien voir les détails, là, donc... Une belle femme, là, avec... dans un kiosque de fruits et légumes. Donc, j'ai très hâte de commencer ça. Donc, je vais... Je vais écrire... Et mon crayon est ici. Donc, femme... Un petit kiosque de fruits et légumes. Parfait, je mets ça de côté. Toile numéro 2 maintenant. Donc, celle-ci, c'est une partielle, mais vous voyez, c'est le même genre. Donc, le partiel, là, dans le fond, là, ce que j'ai à faire,
J'ai les cheveux ici, là, de la femme. Et puis, j'ai sa robe rouge. Le verre de vin, les mains, le visage n'est pas à faire. Là, c'est vraiment une partielle. Donc, ça ne sera pas quelque chose de très, très long à faire. Mais c'est vraiment, c'est dans le même style encore, là. C'était là, dans la même, dans les mêmes nouveautés, là. Ça suivait, là. Il y avait comme un paquet de nouvelles toiles, là. Et puis, j'imagine que c'est la même collection, si on veut, là. Parce que c'est le même genre d'image. Je la trouvais vraiment jolie. Sur le coup, là, j'avais pas vu que c'était une partielle. Je m'en suis rendu compte par après que j'avais commandé. Mais c'est pas grave. Écoutez, il est vraiment, vraiment joli. Je l'adore. Wow! Ça va être super beau, les reflets dans les cheveux et tout, la robe, là. Ouais, ça va être quelque chose de super bien à me travailler. Donc, celui-là, malheureusement, j'ai pas les codes de DMC. J'ai seulement les symboles. Et puis, ce sont des petits sachets comme j'ai l'habitude d'avoir. Donc, c'est peut-être l'autre toile qui était comme ça. Mais celle-là, là, c'est vraiment à la normale du Everyday Odile de d'habitude. Avec ces petits sachets-là qu'il faut ouvrir qui ne sont pas refermables. Donc, une petite partielle. Là. Une fois de temps en temps, hein, ça fait changement. Une petite toile qui se fait rapidement, c'est le fun. Donc, je vais marquer femme. Partielle verre de vin. Donc, je vais savoir c'est laquelle. Je marque femme parce que c'est comme ma petite collection, là, mes femmes. Donc, la toile numéro 3. Voici la troisième toile. Donc, c'est la réunion de sacoche au restaurant. Hein? Les trois femmes qui discutent autour d'un petit café. Donc, celle-là aussi, j'ai pas les codes de DMC. C'est plus à la Everyday Odile de d'habitude. Hein? J'ai les petits sachets là, normal. Donc, je sais pas pourquoi l'autre, c'était une exception avec les petits sachets refermables. Mais bon, ça aurait été bien que ce soit tout comme ça, cette collection-là. Il va falloir que je mette du poids dessus parce qu'elle est pas pire pliée. Sauf qu'il n'y a pas de rivière, par contre. Ce qui est intéressant, là, ce qui est le fun. Là. Donc, une autre superbe toile. Je l'adore, celle-là aussi. Je vous dis, j'ai vraiment craqué lorsque j'ai vu les images. Ça me fait penser beaucoup là, à les gorgeous qui sont tendance. Là. C'est comme... qu'est-ce que je veux dire? Pas que c'est le style des gorgeous, mais je veux dire, exemple, les gorgeous, vous en avez beaucoup de différentes avec plein de décors et tout. Donc, ça, c'est la même chose. Ces personnages-là, les femmes, on les voit revenir. Là. Il y en avait vraiment plusieurs. Moi, j'ai sélectionné les plus belles que je trouvais, à mon avis. Là. Mais c'est ça, là, c'est vraiment comme un peu comme une collection, si on veut. Là. Et puis, non, je suis vraiment très satisfaite. Elles sont super jolies. J'ai vraiment trippé lorsque je les ai vus. J'ai dit, oh mon Dieu, je les veux. Et puis, je les ai même vus là, dernièrement sur AliExpress. Donc, ça commence. Ils commencent à être plus populaires un petit peu. Là. Réunion de sacoche. Tiens, je vais me comprendre. Je vais savoir que c'est la gang de femmes qui papotent ensemble. Mais c'est ça, je les ai vraiment vus sur AliExpress, là. Donc, je me suis dit, oh, ça veut dire qu'ils sont... ça commence à être un petit peu plus populaire. Quand je vois des modèles sur Everyday Odile que je vois après sur AliExpress, ça veut dire que ça a été demandé et tout, là, que c'est des modèles plus populaires. Puis moi, lorsque je les ai commandés, c'était des nouveautés. Ça l'a pris, je crois. Ça m'a pris 9 ou 10 semaines, pratiquement, à recevoir mon colis. Ça a été extrêmement long cette fois-là. J'ai aucune idée pourquoi. Comme à l'habitude, c'est parti quand même de bonne heure. C'est de l'usine, je veux dire. J'ai fait ma commande et ça a été posté, tout. Ça a pris environ le même délai. C'est que c'est ici, ça a resté pogné, moi, au Canada, là, en Ontario, à Toronto, pendant je sais pas combien de semaines, écoutez. Puis un bon matin, pouf, c'est arrivé. Ça fait quoi, là, peut-être 2-3 jours là, que je les ai à la maison, là, et puis que... je me dis, là, faut que je vous fasse mon petit unboxing. J'ai mis ça sur le coin de mon bureau, là. Donc, c'est ça.
la dernière toile, parce que la cinquième, c'est pas la même chose. Donc, la dernière toile là, en rapport là, avec ça, là, de ma petite collection, si on veut. Là, parce que je pourrais quasiment dire que c'est une collection, vu que j'en ai quatre. Et j'ai gardé là, ma plus belle pour la fin. Donc, on a la belle blonde avec la bouteille de whisky à l'arrière, là, style Jack Daniel. Donc, ce n'est pas dans des petits sachets refermables. Ce sont des sachets normaux aussi. Des petits sachets là, qui ne sont, sont pas comme d'habitude parce qu'ils sont comme tout individuels dans mon paquet. Habituellement, ça suit tout. Ils sont tous collés ensemble. Donc, un petit peu différent, mais c'est le même style. Donc, et puis, vous voyez ma colle qui a été comme séparée, écrasée. C'est, ouais, carré de colle pas bon. Je m'en servirai probablement pas de celui-là ou bien je vais refouler là, mon petit pot ici, là, peut-être avec celle-là, vu qu'elle est tout croche. Là, je vais la mettre par-dessus. Donc, la quatrième et non la moindre. Donc, la belle blonde avec la bouteille de whisky. C'est une complète aussi, là. Ce sont des 30 par 40, là, que j'ai commandé, là. Donc, c'est ce que je vous disais, là. C'est vraiment comme un peu une collection, si on veut, là. Ce sont mes petites femmes. Je les ai trouvées vraiment, vraiment magnifiques. Il y en a d'autres. Donc, éventuellement, lorsque je vais avoir terminé ceux-là, je compléterai peut-être ma collection. Peut-être que j'en commanderai d'autres. J'aime bien aussi la grandeur, là, c'est juste parfait. Écoutez, sinon des grandes toiles, le style perso et tout, j'aime bien là, les avoir en pas trop gros comme ça, 30 par 40, c'est parfait. C'est un peu comme les Gorgeous. Les Gorgeous, c'est la même chose. Il y a les 30 par 40, ça fait super bien. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit, on voit bien les détails. Donc, c'est pour ça, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui tripent sur Gorgeous et puis qui en achètent beaucoup, qui en ont fait faire beaucoup. moi, c'est ça, là, c'est vraiment, là, moi, c'est les petites femmes, là, ma collection. Mais j'attends aussi, là, des Gorgeous, j'en ai fait faire, là. Un jour, ça va arriver par la poste, un jour, je vais pouvoir faire un unboxing. Écoutez, c'est tellement long de recevoir des colis. J'en vois plein en France qui en ont, là, c'est incroyable, là. Et puis, c'est vrai aussi, là, je voulais vous parler de ça. Je vois beaucoup là, qui sortent là, des vidéos de partenariat et tout là, avec e-broderie Diamant. Là. Je me souviens là, quand il y avait eu le message, là, que tout le monde avait eu le même message et tout. Là, il y en a quand même beaucoup qui ont accepté le partenariat parce qu'à un moment donné, on s'entend dessus que tu te fais donner une toile. Donc, on dit merci beaucoup puis on dit oui. Tu sais, même si, bon, il y en a qui reprochent certaines choses à la compagnie et tout, je veux pas lancer un débat, je veux pas embarquer là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai plus vu l'opportunité de, bon, je me fais donner un diamond painting, why not coconut, hein? J'avais répondu oui. Et puis, lorsque j'ai donné mon adresse, on m'a fait comme réponse qu'on n'envoyait pas de colis et tout au Canada. Donc, je me suis dit, ah ben, eh ben, c'est bizarre. Ça, j'ai attendu. Ça fait là, au-dessus d'un mois. J'attends. Et puis, j'ai réécrit à la Lisa en question. J'ai demandé. J'ai dit, puis là, est-ce que vous pouvez envoyer des colis au Canada? Est-ce que je vais pouvoir faire le partenariat avec vous? Parce que, bon, mes abonnés de la France m'envoient des stylets. J'ai fait un swap avec Anne-Sophie. J'ai reçu le colis. Donc, c'est pas parce que la France interdit le transport vers le Canada. Tu sais, là, j'étais là. Il y a un problème en quelque part. Donc, je lui ai réécrit, savoir, et puis, est-ce que c'est disponible? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Puis, elle m'a fait comme réponse que, oh non, c'était toujours pas disponible au Canada et tout. Donc, mon œil, écoutez, je comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe. J'ai comme l'impression d'être un peu victime de discrimination parce que je reste au Canada. Ouais. Aussi simple et banal que ça. Je la catch comme pas, celle-là, là, mais en tout cas, je trouve ça assez spécial qu'elle puisse pas, aussitôt là, que là, elle a allumé là, que j'étais au Canada. Non, elle peut pas m'envoyer. Sauf que si je vais sur leur site, ben, je peux me faire livrer des toiles ici, je peux acheter. Donc, trouver l'erreur. Je trouve ça un peu ordinaire. Je peux croire que c'est un site français et tout, sauf qu'à un moment donné, c'est pas au Canada que vous allez vendre des toiles si vous ne voulez pas faire affaire avec du monde canadien. Hein? On s'entend que c'est ça. Moi, je veux faire le partenariat.
Je leur ai répondu que j'étais bien enchantée, que j'aurais bien aimé justement pouvoir découvrir, pouvoir faire des comparaisons. J'ai pas la chance justement de pouvoir acheter sur 50 millions de sites, sur plein de vendeurs et tout. Je suis quand même, bon, on s'entend, je suis une personne normale, j'ai un budget à respecter. Donc, ça faisait vraiment mon affaire de pouvoir connaître cette compagnie-là. Je me suis dit, je vais pouvoir comparer avec les autres compagnies que j'ai eues et tout. Je vais vraiment pouvoir faire, tu sais, une vidéo, être transparente, dire à 100%. Donc, c'est pour ça que je suis transparente avec vous, là. Je vous le dis. J'ai aucune idée pourquoi. Mais bon, Madame Lisa a su que je venais du Canada et puis, hop, 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 hop. Et là, on fait plus de partenariat, puis on peut pas envoyer rien, puis, tu sais, elle met ma commande en attente. C'est ça qu'elle me dit. Donc, c'est bien beau, attendre, 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 sauf que j'en vois plein d'autres qui ont leur... qui ont leur toile, que le partenariat est correct et je peux acheter sur leur site, je peux faire livrer au Canada. Donc, il y a un problème en quelque part. J'aimerais bien le connaître, j'aimerais bien ça le savoir, mais bon, je trouve ça un petit peu. Je trouve ça vraiment désolant. Je trouve ça vraiment plate parce que c'est ça. Comme j'ai dit, j'ai vraiment l'impression d'être comme un peu victime de discrimination dans cette histoire-là. Que, tu sais, pourquoi? Tu sais, en tout cas. Mais bon, que voulez-vous, hein? Whisky. Donc, mon petit chiolage est fait. Je me sens mieux maintenant. Je vous montre la dernière surprise et non la moindre. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, nouveau loisir. Ça passe ou ça casse? On va savoir ça prochainement. Écoutez, je vais laisser sortir mes talents. Quand je l'ai vu au début, je me suis dit, oh my God, Houston, we have a problem. Mais après, je me suis dit, ah, mais non, c'est pas grave parce que c'est de la peinture par numéro. Ta-da! Même si la toile est froissée, on s'en contrefiche. Écoutez, c'est pas grave, ça va se défroisser et puis je vais mettre du poids dessus. Donc, voici ma superbe toile de peinture par numéro. Une grande première pour moi. Écoutez, il y en a du détail là-dedans, mon ami. En veux-tu, en v'là des petites affaires à faire. Donc, pour vous, ça ressemble à un paquet de lignes. Vous ne savez pas trop c'est quoi. ici, bon. Je ne sais pas pourquoi ils me font ça, là. Comme un peu le croquis de qu'est-ce que je vais avoir. Je sais pas pourquoi qui bon, faudrait tout que je lise. C'est tout en anglais, donc je lis quand même assez vite, là. Mais bon, je sais pas exactement à quoi ça sert, cette feuille-là. Peut-être à se pratiquer, à faire... je sais pas. Painting by number. Ils me disent les directions. C'est un peu un canevas, un croquis de qu'est-ce que j'ai. Mais ça vous dit pas plus c'est quoi. Ça, c'est ce que j'ai ici de fourni avec mon kit. Donc, des pinceaux quand même fins. J'ai deux petites attaches pour ensuite, si jamais je veux mettre ma toile au mur, l'encadrer ou whatever, ils me fournissent les attaches, mais ils ne me fournissent pas le cadre. J'ai des vis toutes si je veux visser directement la toile dans le mur. C'est sûrement que je vais faire ça, mais bon. C'est quand même drôle, mais c'est genre assez fin qu'ils mettent ça. C'est bon, c'est bon. Parce que c'est ça, je pourrais le visser sur autre chose, exemple sur une planche de bois ou quelque chose comme ça, sans être directement sur le mur. Donc, c'est bien qu'ils nous mettent ça. C'est bien qu'ils mettent plusieurs formats là, de pinceaux. Donc, je vais vous le montrer un petit peu mieux. Vous avez plusieurs grosseurs. Là. Ensuite, j'ai mes 16 petits bocaux de peinture. Ils ont l'air tous bien fermés. Il n'y a rien qui a coulé. Je ne sais pas rendu là si c'est liquide. Je vais le voir lorsque je vais. Je vais le voir lorsque je vais le tester. Mais bon, il n'y a pas une très grosse quantité. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. C'est tout pas mal la même quantité. Donc, j'ai hâte de voir. Là, je vais même regarder là. Tiens, je vais vraiment pouvoir vous dire. Je m'excuse là pour le bruit. Hein, c'est pas très agréable. Bon, j'en sors un au hasard, tiens. Donc,
Je suis une. Oui, je me suis beurrée. Bravo, Marilyn. Donc, vous voyez la peinture ici. La peinture est luisante, donc, ce qui veut dire qu'elle est quand même liquide. J'avais peur que ce soit séché. On ne sait jamais. J'ai déjà entendu des histoires d'horreur sur des peintures à numéros quand même pas très chères, hein, si on veut plus cheap. Donc, j'avoue que ça me faisait peur. Mais bon, je suis rassurée. Ma peinture est liquide. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi mon image. C'est ça ici, dans le fond. C'est un 30 par 40 et puis c'est un bouquet de fleurs. Donc, ils disent le niveau de difficulté est 2 étoiles sur 5. J'ai vraiment pris là, quelque chose de pas très difficile pour commencer, justement. Je ne vais pas y aller avec un 5 sur 5 avec plein de petites places et tout. On s'entend que je suis quand même débutante, hein? Donc, c'est ça. Voici l'image de ma peinture par numéro. Donc, j'ai vraiment très hâte là, d'essayer ça. Ça va être une première pour moi. J'ai vraiment jamais fait ça. J'ai jamais vraiment non plus fait de peinture, que ce soit pour le fun ou ça remonte à loin mes arts plastiques à l'école. On s'entend là, c'est vraiment. Donc, ça risque d'être des drôles de vidéos. Pas des drôles de vidéos, mais je veux dire, vous risquez d'avoir du fun lorsque je vais faire ça. Je risque de me beurrer, d'en mettre partout, de dépasser. Écoutez, un tas de péripéties à venir. Je le sens. on dirait là, que je suis comme, ah mon Dieu Seigneur. Mais c'est pour cette raison que j'ai pris une toile avec un niveau de difficulté de 2 étoiles sur 5. J'en ai pas trouvé avec une étoile, donc j'étais avec une 2 étoiles. Je me suis dit, ok, c'est pas si pire que ça pour commencer. J'en ai vu des 5 étoiles, puis c'était comme, oh non, 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 non. Donc, voici ma peinture par numéro. Donc, je vais l'écrire ici. Paint by numbers. Donc, ma peinture à numéro. Ça va vraiment faire changement. Donc, je veux vous dire encore une fois, merci beaucoup d'écouter mes unboxings. Merci d'avoir écouté mon petit chialage de tout à l'heure. Écoutez, sur le partenariat de e-broderie, c'est ça. Je suis déçue parce que, bon, j'aurais aimé ça, avoir ma toile gratuite. C'est ça, puis je l'ai même relancé en plus en lui demandant est-ce que là c'est disponible et tout parce que j'allais faire une simulation sur leur site d'achat. Et puis j'ai vu que je pouvais acheter, je pouvais me faire livrer ici au Canada. Donc il n'y a pas de problème si vous payez, sauf que côté partenariat, on vous le propose. Puis après, quand on réalise que vous êtes du Canada, not sure about that. En partant, ça part mal. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pas de secret à faire. J'ai pas de cachette à faire. Je suis 100% transparente. Je vous dis mon opinion. Et puis, c'est ça. Présentement, là, ils partent à moins quelques points. Je trouve ça bien ordinaire. Donc, je leur laisse encore une chance. J'ai hâte de voir, là, qu'est-ce qui va en suivre. Est-ce qu'elle va finalement dégeler puis elle va me réécrire, là? Parce que là, j'étais là, OK, là, dégèle le cornet, là. C'est quoi l'affaire, là? Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je suis juste. Je suis déçue. C'est ça. Je suis déçue. Puis, je suis jalouse. Pour ceux qui ont eu le partenariat et qui ont eu l'étoile gratuite, moi, j'en avais spoté une full belle en plus. Donc, c'est ça. Je suis là avec mes précieux autour de moi. Mes nouveaux précieux. Ma nouvelle petite collection, le Madame. Donc. C'est ça, je vais vous dire encore une fois, merci beaucoup d'écouter mes vidéos. Merci à tout le monde pour tous vos beaux commentaires. Et puis, gênez-vous pas si vous avez quoi des questions, là, si quoi que ce soit. Là, écrivez-moi en commentaire, je lis tous vos commentaires, je réponds à tout le monde. Envoyez-moi des mails si vous avez des questions plus précises. Si, je réponds aussi à tous mes mails, là, sans problème. Je sais que je suis débordée ces temps-ci là, avec Miko et tout, là, mais c'est pas grave. Donnez-moi un délai de 24 à 48 heures. Il n'y en a pas de problème. Donc, sur ce, écoutez, je m'en vais placer mes précieux avec mes autres précieux. Ma collection, là, avec mes autres Diamond Painting, là, que j'ai.
Et puis, sur ce, eh bien, il fait soleil dehors, il fait beau encore, on est sur la fin de la journée. Je pense que je vais aller m'asseoir dehors un petit peu, là. C'est pas full chaud aujourd'hui, c'était un petit peu plus frais vu qu'il annonçait des orages, là. Donc, je pense que je vais aller m'asseoir avec un bon petit café dehors, là, profiter, là, de la vitamine D, là, qui reste un petit peu à la fin de la journée, là, dans les rayons du soleil. Donc, sur ce, écoutez, eh bien, je vous dis à demain et puis c'est ça. On se dit à demain tout le monde pour une autre vidéo. Bye bye!